Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, cause baby I love you. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, je vous retrouve une fois de plus dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo motivation ménage, voilà, aujourd'hui je vais m'occuper de l'étage supérieur. C'est mon gros ménage du vendredi, moi le vendredi, c'est la journée où je change tous les draps des lits et j'ai fait le gros ménage, je nettoie partout, je nettoie le sol à fond. Je commence toujours par ma chambre, alors je vais m'occuper de ma chambre. Ensuite, je vais faire le reste, je vais faire le couloir et les chambres des petits. Alors voilà, c'est parti, on va commencer. Alors voilà, cette vidéo a été tournée la semaine juste avant la rentrée scolaire. Du coup, les enfants sont retournés à l'école le mercredi. Alors voilà, c'était quand même assez difficile, surtout que les enfants restent à la maison pendant tout l'été. Alors c'était difficile, voilà, cette séparation-là. Alors chez vous, comment ça s'est passé pour ceux qui ont des enfants, surtout des enfants en bas âge? Moi, ma fille, c'était quand même assez difficile. Elle a beaucoup pleuré, mais maintenant ça va, tout se passe bien. Alors dites-moi en commentaire comment ça s'est passé chez vous. Du coup, j'ai terminé au niveau du lit. Mon lit est fait, c'est propre. Les draps sont changés. Alors vraiment, ça, c'est, j'aime trop ça, dormir dans les draps propres, les draps qui sont bons. Alors là, je vais passer au niveau des tables de chevet. Il n'y avait pas de poussière. Du coup, j'ai juste passé vite fait un coup de lavette avec mon produit Miss Meyers à la pivoine. J'adore cette odeur-là. Franchement, ça laisse une bonne odeur dans la pièce. J'adore ce produit-là. C'est un produit fait à base de plantes, donc c'est pas nocif, c'est vraiment très bien. Alors je passe au niveau de la deuxième table de chevet, je termine ça. Ensuite je passe au niveau de mon bureau, je vais désencombrer et nettoyer. Pretty easy, like when your body is closer to mine.
astuce que j'utilise quand je nettoie avec mon microfibre, je le plie en deux morceaux, donc ça fait quatre parties. J'espère que je m'explique bien. Je nettoie avec la première partie, du coup, quand la partie est sale, j'ai replie et je prends la partie propre que j'ai nettoyée. En tout cas, j'espère que je m'explique bien, vous comprenez un peu. Bref, voilà, on continue. Là, j'ai terminé au niveau du bureau. Je vais juste lever les rideaux parce que je vais mettre mon aspirateur de la marque Dream. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un aspirateur 2 en 1 qui va me faire l'aspirateur et la serpillière. Alors du coup, voilà. D'ailleurs, ceux qui ont manqué cette vidéo-là, je vais vous le mettre dans les i juste en haut de l'écran. Alors voilà, l'aspirateur va me nettoyer le sol au complet. Pendant ce temps-là, moi, je vais passer à une autre tâche. Donc, je vais aller au niveau du couloir. Je vais nettoyer mon meuble qui se trouve là, et ensuite voilà, on va continuer. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé au niveau de ma chambre, tout est propre. Là, je passe au niveau du couloir, je vais enlever tout ce qui se trouve sur mon meuble là. Je vais commencer par nettoyer le miroir, donc on commence du haut vers le bas. Je nettoie mon miroir avec le produit Bonami. Alors, c'est un produit mousson qui nettoie très bien tout ce qui est vitre, tout ce qui est miroir. Je l'utilise assez souvent, d'ailleurs vous êtes nombreux toujours à me demander quel produit j'utilise. Voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon, je ne sais pas pour Amazon France, mais Amazon.ca, Amazon Canada, ça s'y trouve. Ensuite, je vais passer au niveau du meuble. Je vais enlever tout ce qui se trouve là-dessus et je vais nettoyer. À la base, c'est un meuble à chaussures que j'avais acheté chez IKEA. Mais moi, je range les serviettes, je range les gels pour douche, je range aussi les lotions pour le corps. Alors, j'ai trouvé cette astuce-là parce que moi, dans ma salle de bain, j'ai pas beaucoup d'espace. Alors j'ai trouvé ce meuble-là, je trouvais ça très pratique et c'est juste en face de la salle de bain. Donc quand on a besoin de quelque chose, on peut directement avoir accès. Donc c'est vraiment pratique et ça prend pas beaucoup de place. Du coup, ça n'encombre pas mon couloir, c'est vraiment génial. Hey, like you're feeling sorry. Don't you look at me like that when you break my heart like that, like you're feeling sorry. Cause you're not feeling sorry. Hey, hey. Don't you look at me like that when you break my heart like that, like you're feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. J'ai terminé au niveau du couloir, il va juste me rester le sol à faire. Je vais le faire un peu plus tard. Là, je vais passer au niveau de la chambre à ma fille. Il y a beaucoup de désordre sur le bureau, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais voilà, je trouve ça un peu désordonné. Je vais commencer à désencombrer son bureau, je vais tout enlever, je vais nettoyer le bureau et ensuite je vais tout réorganiser. Au niveau du lit, pareil, je vais changer les linges du lit et ensuite on va faire le sol, alors je vais vous laisser en musique.
J'ai nettoyé le bureau, là j'essaie de réorganiser tout sur son bureau, j'essaie de nettoyer vraiment voilà, son iPad, ses petites affaires, je replace ça sur son bureau. Et ensuite, je vais passer au niveau des compartiments sur le côté, je vais faire pareil, je vais nettoyer avec toujours mon produit Miss Meyers et une lingette. Alors voilà, habituellement c'est ma fille qui fait sa chambre, mais là, je lui ai dit que j'allais le faire vu que je voulais faire le gros ménage à l'étage supérieur. Alors pour le gros ménage, c'est moi qui m'en occupe. Je préfère le faire comme ça. Ben, je suis sûre que tout est rangé, tout est en place. Là, j'ai terminé au niveau du bureau. Je vais nettoyer le petit meuble qui se trouve juste sur le coin. Et ensuite, je vais changer les draps de lit. Voilà, ça va être à peu près tout pour cette chambre. Ensuite, je vais mettre l'aspirateur robot qui va me faire le sol, donc l'aspirateur et la serpillière. J'ai terminé avec le linge de lit. Je viens de voir que au niveau du pied de lit, c'est un petit peu sale. Je vais nettoyer ça vite fait et ensuite on va passer au niveau du sol. Voilà une astuce pour nettoyer vos écrans de télévision. Alors j'utilise un produit pour vitres de la marque Windex. C'est un produit que je vais utiliser pour nettoyer la télé. Alors ça laisse pas de traces, c'est vraiment bien. Et je l'utilise aussi avec un essuie-tout. Voilà, ça va pas laisser de traces, c'est vraiment très bien. Et c'est d'ailleurs vous autres qui m'avez proposé d'utiliser ça pour nettoyer les écrans de télé. Franchement, je vous remercie pour ça. J'ai fini au niveau de la chambre à ma fille. Voilà, moi j'ai une astuce pour nettoyer chez moi. Je commence toujours par les tâches que j'ai moins envie de faire ou les tâches qui demandent plus de travail. Dans ces cas ici, j'ai commencé avec la chambre de ma fille parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et j'ai fini avec la chambre des deux petits parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, à part changer les linges de lit et pousser de gauche-droite et faire le sol. Alors là, j'ai beaucoup d'énergie quand je commence. Une tâche ménagère, du coup je commence par la tâche qui me demande le plus d'efforts et j'ai fini avec les petites tâches. Voilà. For so long, I've been
been trying to get you out of my head. Oh yeah. But somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love you a little to see where this is going. Feel the things I do. I might need some help if you let me go. Cause I'm flying through the sky and I'm sitting a little high on you. Sitting a little high on you. Enfin, j'ai terminé, j'ai changé les linges de lit. Alors là, franchement, les lits en étage, c'est pas facile de changer les draps et tout. Des fois, je dois carrément descendre le matelas du haut pour faire le lit comme il faut. Donc voilà, c'est terminé, c'est fait. Ensuite, je vais passer au niveau des meubles. Je vais commencer par le meuble qui se trouve sur le coin là. Je vais tout enlever. Et ensuite, je vais nettoyer le meuble. Là, je suis en train de nettoyer un petit peu les taches que j'ai vues sur le lit. Voilà, donc j'enlève tout ce qui se trouve sur le meuble, je nettoie et je réorganise. Another heart attack. Words that we can't take back. We are the reason opposites attract. Once you slam the door on the second floor, I regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Je vais carrément enlever le meuble qui se trouve sur le coin. J'ai vu, il y a beaucoup d'accumulation de poussière. Des fois, on nettoie juste vite fait, mais là, ça prend des fois d'enlever le meuble pour vraiment passer l'aspirateur, la serpillière. Je ne vous ai pas filmé quand j'ai passé la serpillière, mais j'ai passé la serpillière sur ce coin-là avant de remettre le meuble. Voilà, j'ai remis le meuble et j'ai réorganisé. Hoping you'll answer yours, baby. Let's talk until we're fine. You've been in bed for days, empty without me, you say. Can't you just magically turn up in mine? Then you knock on my door on the second floor, and I feel okay. We just made it through, and I love the way I feel for you, baby.
right. We never get it right, but it still feels right. We never get it right, but somehow it feels right. That's how I feel about ya. Alors là, je vais nettoyer le coffre à jouets. J'ai enlevé tout ce qui se trouvait là, qui n'avait pas rapport là. Là, je suis en train de nettoyer avec une lingette et mon produit Miss Meyer. Je vais également nettoyer la garde-robe de ma fille. Et je vais aussi nettoyer au-dessus de la garde-robe. Il y avait beaucoup de poussière quand je nettoyais. Je vais vous le montrer un peu plus tard, la poussière qu'il y avait eu là. Alors voilà, là, je suis sûre que tout est propre. Et ensuite, je pense que j'aurai fini pour cette chambre-là. Il va me laisser juste le sol à faire. Et voilà. Là, je vais passer au niveau de la garde-robe. J'avais acheté deux organisateurs pour ranger les vêtements de la semaine. Donc, j'ai un organisateur pour mon garçon et un organisateur pour ma fille. Il y a 5 compartiments, donc avec les 5 jours de la semaine. Avant, j'organisais les vêtements chaque soir pour le lendemain. Mais là, je trouve que voilà, j'ai perdu du temps chaque soir. Il y a tellement de trucs à faire le soir. Il y a le souper, les devoirs. Trop de trucs à faire. Alors, je me suis dit, je vais organiser les vêtements pour la semaine. Comme ça, ça va être réglé, ça va être fait. Eux, le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste prendre les vêtements et s'habiller. Donc, voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, je suis en train de les ranger là. Vous allez voir. Ensuite, je vais organiser les vêtements. Voilà ce que ça donne pour l'organisateur. J'avais acheté ça sur Amazon. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais je pense que vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces. Du coup, j'ai organisé voilà 5 tenues pour la semaine. J'ai mis des t-shirts, des pantalons ou des shorts. J'ai également mis une paire de chaussettes, des culottes. Dans cette vidéo, vous m'avez pas vu mettre les camisoles, mais moi, mes enfants, je les habille toujours avec une camisole en dessous du t-shirt ou en dessous d'un chandail. Alors voilà, j'ai mis les camisoles un peu plus tard. Voilà, j'organise les vêtements pour mon garçon. Ensuite, je vais organiser les vêtements pour ma fille. I'm already on my way, on my way. We've been dancing all night long. Right here with you way too long. Don't want nothing here on God. But I'm done waiting, done, done wasting my time. That's the sweet talk. I'm already on my way. I'm pulling up, don't be late. I'm cutting through all the lanes, lanes. Ensuite, j'organise les vêtements pour ma fille, pareil pour la semaine, 5 tenues, des shorts, des leggings, j'ai mis des t-shirts ou des robes, une paire de chaussettes, voilà, une petite culotte, je vais organiser tout ça. Me, isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things, you could be the part where it all begins, you could be the first and the second and. J'ai terminé l'organisation des vêtements pour la semaine. Voilà, je serai tranquille. Tout est organisé, tout est en place. Là, je vais passer au niveau de l'organisation des pyjamas de mon garçon. J'ai fait le lavage. Là, du coup, je vais juste ranger ses pyjamas dans son tiroir. Et j'ai aussi des séparateurs à tiroir que j'avais acheté chez Amazon. C'est des séparateurs en acrylique qui sont transparents. C'est vraiment top pour ranger les vêtements.
Et j'utilise la méthode Marie Kondo pour ranger les vêtements, voilà. Alors là, j'ai terminé au niveau de l'organisation. Je vais passer au niveau du sol, je vais passer mon aspirateur et ensuite je vais passer la serpillière. L'aspirateur robot est en train de nettoyer encore la chambre à ma fille. Du coup, pour gagner du temps, je vais passer ma serpillière vite fait. C'est terminé au niveau des chambres, je vais passer au niveau du couloir, je vais passer mon aspirateur et ensuite ma serpillière. Je vais également faire les escaliers et voilà, je vous laisse en musique. J'ai terminé au niveau supérieur, toutes les chambres sont rangées, tout est propre et organisé. Là, je descends les escaliers, je vous emmène au niveau du meuble buffet. Je vous montre là où j'organise toutes les boîtes à lunch, toutes les bouteilles d'eau. Alors, j'ai besoin de réorganiser cette armoire-là, toujours dans l'optique d'être prêt pour la rentrée scolaire. J'ai acheté des organisateurs pour les bouteilles d'eau. C'est des organisateurs qui sont superposables, ça vient de Amazon. Je vous laisse le lien en barre d'infos comme d'habitude.
Alors là, j'organise les bouteilles pour les enfants. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment bien organisé. Et tout au fond, je vais mettre aussi un rangement. Là, je vais organiser les bouteilles que j'utilise habituellement pour mettre mes jus fait maison. Alors, je vais le mettre tout au fond. Voilà. Pour les bouteilles, c'est rangé, c'est propre. Et tout en haut, j'ai mis les boîtes à lunch, les petits contenants pour les goûters et tout. Alors, voilà ce que ça donne. Du coup, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.